bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on est à l'autodrome de l'INAS Montlhéry. Nous sommes le samedi 25 septembre, c'est l'US Motor Show, événement dédié aux américaines, comme vous avez pu le deviner, hein, US. Donc on va aller se balader un petit peu dans cet événement. Je vais vous emmener, je vais voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais un vlog comme ça. Là il y a de la musique, j'espère que vous m'entendez bien, je crie pas trop. Et puis voilà, on va voir ce qui se passe. Et puis voilà, c'est la pause déjeuner là, donc il n'y a pas de roulage. Apparemment, il y a trois plateaux de voitures. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Première trouvaille, plutôt sympa, une Chevrolet de 1937. Regardez ça, la belle bleue. Elle est juste super belle avec ses petits détails. Slim Faker. Franchement, elle est sublime. Je viens de tomber sur une merveille juste en face de la Chevrolet de 1937. Une autre Chevrolet, un pick-up de 66. Il est juste sublime, je vous montre tout de suite, c'est incroyable. La peinture, non mais la peinture, elle est juste somptueuse en fait. La peinture est juste magnifique, le travail effectué là-dessus là. Et regardez le travail sur la benne. Oh, la peinture, j'en reviens pas. Paris, un d'or. Snapchat. Alors, on va découvrir un petit peu en même temps que vous, pour être honnête, ce qui va se passer. Et nous sommes en face d'un Ford F100. Alors on continue sur les pick-up de collection. Vraiment très très sympa. La peinture, je préfère le Chevrolet, on va dire. Je préfère le Chevrolet, mais franchement, il y a quand même un beau taf qui a été fait dessus. Et voilà, regardez ça. Encore une Corvette C7. Ça prend le meilleur. Plutôt sympa la couleur. Notre petite Chrysler est prête. Vraiment très sympa. Un petit coup de sifflet. Encore une grande sport. Et c'est parti. Voilà. Superbe départ des deux voitures. Et la Corvette. Oh la Corvette. Yes, c'est la Corvette. Attention, la Crossfire était en grande forme. Bon, et alors,
Dans ce US Motor Show, il y a évidemment des roulages sur plateau de véhicules. Comme je l'ai dit, il y avait trois plateaux, il me semble. Et il y a aussi des drag races. Donc, on va aller voir une drag race. Mesdames et messieurs, et en fait, ce que vous pouvez entendre. Et c'est parti ! Oh, la planche est partie comme une fusée ! Et il crie à fond, le mec. Et c'est parti, cette fois-ci, c'est un superbe départ ! Vous entendez ce son ? Eh oui, mais quand on est pur à l'équipe de départ, on peut s'arrêter à faire bouger. Surtout sur le moteur qui s'est si similaire. Et on vole le départ ! C'est dommage parce qu'effectivement il y avait un vrai combat de temps. Qu'est-ce que vous voulez, évidemment, on est là pour s'amuser. Et le principal, c'est qu'on a de jolies images, qu'on prenne le temps de se faire plaisir avec ces gars qui s'amusent comme des petits fous. Parce que moi, je vois à l'intérieur des cockpits, dans les casques, je peux vous assurer qu'ils ont la banane jusqu'aux oreilles, ils s'éclatent comme des petits fous, ils sont ravis. Est-ce que c'est pas là le sentier? Est-ce que ça n'est pas ça? Les années 50 pour les États-Unis, c'est vraiment une année de design. Regardez cette ligne. La ligne est tombée par terre. Voilà. Et l'intérieur. Que dire ? Avec le creux. Et pour se tenir, et on retrouve évidemment cette fameuse bande au milieu. On retrouvera sur tous les modèles par la suite. Hein. Où maintenant il y aura le logo après Corvette. Et ben voilà, j'adore ce cockpit rouge pour rappeler le rouge du côté. Oh, elle est vraiment. Quelle voiture! Et regardez-moi cette arrière. C'est vraiment. Ça fait Batmobile. C'est. On dirait une Batmobile. Enfin, vraiment, échappement dans le pare-choc intégré. Thank you.
Camaro ZL1.